juste film, t'inquiète, film, juste film. Mais là, c'est un film, mais tu fais quoi avec mes valises, les bagages, tu fais quoi? Il y a énormément de gens qui nous disent, Yacine Younes, c'est quand vous allez habiter tout seul? Vous habitez toujours chez vos parents, vous avez plus de 20 ans, c'est quand vous allez habiter tout seul? Le moment est venu, Younes, on va déménager, on va tester, on va faire l'expérience de vivre seul, sans nos parents, sans notre famille, on va voir ce que ça fait. Mais pourquoi tu me mets moi dans tes histoires, on va tout seul, moi je suis bien là. On va le faire ensemble, on va se filmer, on va faire une vidéo sur YouTube, et comme ça on va faire l'expérience, et vous allez voir vous chez vous. Ceux qui disent, ah, 18 ans, je vais partir de chez moi. Vous allez voir comment ça se passe. Donc, on va tester et c'est parti. Oh là là. Là, on va aller prendre à manger. Attends, mais c'est comment ça, à manger? Qu'est-ce que tu racontes? Mais on va habiter tout seul. Il n'y a plus personne qui va nous faire à manger. Il faut se faire à manger tout seul. Il faut faire les courses. Il faut acheter tout seul maintenant. Ça y est. T'es vraiment sérieux là, ce que tu fais? Bah ouais. Mais moi, je te dis, prends tes affaires pour manger. Hein. T'as cru dans le nouvel appartement, il y aura maman pour te faire à manger ou quoi? Là, t'es en train de faire quoi là? Tu vas être tout seul. T'es il prend des assiettes, des couverts. Bah oui, t'es obligé. Oh le taré. Et tu vas prendre aussi de la bouffe? Bah oui. Maman, elle est pas là pour te faire à manger, c'est fini, t'es tout seul là. C'est quoi dans la casserole? Ouf, quoi. Ah, on est vraiment foutus en fait, là tu rigolais pas. Je rigolais vraiment pas. Y'a grave de la graille dans le. Younes, dépêche-toi là, on a pas le temps, y'a un chauffeur qui nous attend, il s'est à une heure de route frère. Une heure de route? Bah oui, comme ça on joue vraiment le jeu et t'as vu, si on a un problème, on peut pas rentrer. Du coup, c'est là, on va prendre un chauffeur, on doit y aller. J'espère que c'est un bon appartement, Yacine. Alors là, je vais le découvrir avec toi, frérot. Là, on attend le chauffeur, je suis avec les valises, Yacine est en face de moi, je sais pas à quoi m'attendre. J'espère au moins il a pris un bon appartement. Et dans le Uber, il est parti mettre de l'essence. Vas-y, donne un indice là, j'en ai marre là. Déjà, c'est 1h20 le trajet, c'est pas 1h. Oh là, mais on va où? Sur la planète Mars? Bon, je te dis, on va aller sur Paris, Younes. Sur Paris, t'as pris un appartement? Sur Paris même. Les appartements sur Paris, ça coûte grave cher, c'est un truc de ouf. Et apparemment, c'est là où il y a les meilleures expériences sur Paris, tu vois. Tous ceux qui parlent pour rien, j'étais bien chez moi. Pourquoi vous parlez? On va essayer, avec Yassine, je m'attends à tout avec lui. Moi, j'étais bien, hein, maman, j'étais bien, on l'a avec Myriam. Sors de l'ascenseur là, ta grosse tête là, tu m'as ramené où? On est arrivé. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on fait, Yacine? On a un F2. T'as pris deux pièces? Ouais, à peu près. Oh yeah, regardez, on est avec notre valise. Là-bas, c'est nos nouveaux voisins. Attends, mais pourquoi il y a ça sur la porte? James. Je sais pas. C'est toi, James? Bien, je vais te faire visiter. Avec lui, je m'attends à tout. Bienvenue dans notre nouvel appartement, les mecs, ça y est, on a enfin déménagé, on a plein de nous parler. Oh, on habite encore chez vos parents. Bah du coup, voilà. Et toi, t'écoutes les gens. Venez, on va vous faire découvrir, vas-y, rentre. Dis salam alaykoum rahmatullah. T'es un malade. Donc là, on rentre dans l'appartement directement. Ici, regarde, tu peux regarder ici. On a une petite table à manger. C'est la cantine ou quoi? Cuisine, tac. Ici, vous pensez que c'est des placards, mais c'est pas des placards, c'est une pièce secrète, on ira voir après. Regarde derrière toi, on a le lit. Waouh. Mais j'avoue, c'est une idée, ouais. T'as payé ça comment, ça le fout? Avec qui? Regarde, derrière toi. Regardez, il y a des tablettes. Derrière toi, t'as la télévision. Oh, avec la dinguerie. La petite machine à café ici. Wesh, t'as payé ça comment, ça le fout? Là, on a un petit frigo ici. Ouais, c'est un appartement de zinzin. Ici, on a des tiroirs pour ranger, je sais pas ce que tu veux. Attends, en gros, là, il y a deux chambres. Attends, mais je vais vous faire une vue, Yacine, c'est un malade. Ça y est, faut qu'on parte de chez papa et maman, Younes, c'est fini. Wesh, mais t'as payé, t'as fait. Wesh! Oh le truc de ouf! Viens, je vais te faire montrer les pièces secrètes. Comment ça, les pièces secrètes? Il y a des pièces secrètes ici. Donc là, t'as un placard. Attends, fais voir. Ici, c'est pour mettre les affaires, donc c'est un placard. Ok. Et là, pièce secrète numéro 1, on ouvre. Regarde. Y'a quoi? Viens, rentre. Wesh, y'a une autre pièce là-bas! Papa et maman, c'est fini, salut! Salam alaikum! Ici, on a la salle de bain avec grave des miroirs et avec le petit robinet là. Ah ouais, c'est. Attends, je vais essayer de. Il y a même des claquettes là, si tu veux, et des peignoirs. Où ça? Là, je crois. Il y a même une balance. T'as vu, toi, t'as un halouf, il t'a mis une balance. Sors mes claquettes, sors-moi des claquettes. Du coup, là, je peux enlever mes baskets ou pas? Ah, je sais pas. J'avoue, maman, elle est pas là. Chaque fois, elle me dit. Ah, vas-y, va là-bas. Oh, le fou, il a jeté ses baskets, regardez. Je prends des claquettes. Oh, ça sent super bon, Yacine. C'est quoi cet appartement de zinzin, mec? Ah, moi, je crois que je vais rester là. Ça te va même pas? Si, ça me va, t'inquiète, tout me va. Et là, tu m'as dit, il y a encore deux portes. Là, ouais. Donc là, tu peux ouvrir. Première porte secrète encore. Wow. On a une douche. Ah, je vais faire une douche, elle va être mortelle. Et deuxième porte, tu peux ouvrir à droite. À droite, on a des toilettes. Des toilettes, ok. Voilà. C'est chillé, wesh. Ouais, c'est fini, par contre, c'est fini la play. C'est fini les ordinateurs. Là, c'est un. Bah, c'est comme si on venait de déménager, il n'y a plus rien. Hein. Regarde. Pour ouvrir la fenêtre, si tu veux prendre l'air. Putain. Donc voilà, on va vivre l'expérience avec vous. Et on va voir c'est comment vivre dans un appartement, les gars. Ah, y a plus maman et papa, ça veut dire on va tout devoir faire tout seul. Hein. Ouais.
Vas-y, range tout, range. Moi, je rangerai après. Toi, tu fais rien, toi. Il y a un frigo, il y a un frigo. Myriam, désolé, je t'ai pris ça. Oh, le gamin. En plus, Myriam, faut qu'on l'appelle, on l'a même pas prévenu, frère. J'avoue. On a ramené grave des provisions parce que. On a ramené que de la boue. Bah, je savais pas, regardez ce que j'ai pris. Mes blancs de poulet halal. Je savais pas s'il y avait du halal où il allait m'emmener. Donc, du coup, j'étais obligé de prendre. Et je crois qu'il y a un frigo ici. Ouais, ah, il y a deux bouteilles d'eau. Bah, mets les trucs dans le frigo, Yacine. Toi, tu dors où? Moi, je dors à droite. Hein. Peu importe, moi j'ai une tablette, mais je sais pas, ça sert à quoi la tablette ici? Oh, je crois qu'on peut commander à manger. Non, attends, attends, il y a des burgers. C'est grave cher, ça le fout. Hein, t'as du quoi? Arrête, c'est grave cher, ils vont te faire payer plein pot. Ah ouais? Bah oui. Il est en train de ranger, mais il y a une carte. Zahama, si tu commandes. Regardez, il y a des burgers. Attends, on va voir. Snack. Non, ça arrête, tu me Oh! Burger cheddar frites, Yacine, s'il te plaît, laisse-moi commander. On va payer trop cher, je te promets. Arrête. À Paris, c'est grave cher les burgers et tout. Après, c'est toi qui payes, hein, moi je m'en fous. Hein. J'ai oublié mon portefeuille. Ah bah moi aussi. Ah, on est deux comme ça. Regardez, on a rangé notre frigo ici. L'avocat, faut le mettre où? Maman, elle m'a pas dit faut le mettre où l'avocat? L'avocat? Au frais ou au chaud? Comme tu veux. De toute façon, je vais appeler Myriam là pour voir. Attends, on va voir si. On peut commander un taxi. On peut commander des habits. Et pourquoi il y a marqué shop? Oh, on peut commander des trucs. C'est en anglais. S'il y a la télé, parce que je crois qu'il y a des matchs. Hein. Ouais, imagine, il y a Netflix et tout, ça serait, oh, ça serait incroyable. Normalement, quand je viens de déménager. Mais par contre, on va dormir, Théma, il y a quoi, Yacine? Ça fait grave flipper, les gars. Touche pas. Non, excuse-moi. Ah, t'as pas envie qu'ils te regardent. Moi, j'aime pas la nuit, voir des jeux de. Oh, regarde, bienvenue. Là, on a les programmes, il y a la 1, il y a la 6. 24 heures, ça, c'est le logo de YouTube. 24 heures, c'est quoi ça, 24 heures? What? En Espagne, ils font des 24 heures. Les images comme ça là. Après, faudra les remettre. Bah non, c'est chez moi, je fais ce que je veux. A few moments later. Avec tes claquettes là, regardez ces claquettes là, pourquoi tu paniques? Y'a pas de four, y'a pas de micro-ondes, on va manger comment? Bah y'a une casserole là, on va se débrouiller. Mais casserole. Comment ça y'a une casserole? Mais une casserole, Yacine, maman, quand elle nous dit de faire à manger là, tu poses et y'a du feu. Mais et après ça boc boc et après tu peux manger. Comment ça boc boc? Bah en mode ça cuit. Bah là, regarde, t'as une prise, tu vas la brancher. Et la casserole, elle va chauffer à l'intérieur. Fous-toi de ma gueule, fous-toi de me. Je crois qu'on est dans Harry Potter. Ah, c'est ça, après, frérot, de prendre un appartement sans maman, papa, c'est compliqué. Hein. Moi, je vais appeler Myriam, je vais lui dire ce que t'as fait. Salut Myriam, ça va? Ouais, toi? Ouais, désolé, on a un truc à t'annoncer avec Yacine. C'est quoi encore? Bah, on s'est pris un appartement. Je te jure, c'est vrai, pourquoi tu rigoles? Elle touche pas à mon lit, hein. Touche pas à mes affaires. Alors là, si tu crois vraiment que j'ai pas touché à tes affaires. Mais Myriam, s'il te plaît, je vais te montrer comment c'est. Yacine nous a pris un appartement, tu vas avoir trop la rage. Je vais toucher à ton PC, à tout. Non, Myriam, s'il te plaît, tu veux que je te montre une pièce secrète, tu vas péter un câble. T'as une douche. Pourquoi tu rigoles? Vas-y, elle se fout de la gueule. Il va être 22h, Yacine, j'ai faim, faut que tu me fasses à manger. En bas, tout est fermé, frère. Débrouille-toi, tu me fais à manger, sinon je commande dans la tablette, là. Non, commande pas, ils vont nous allumer. Tu fais chier, toi. Mais il faut bien que je mange. Bon, voyons voir ce qu'on va lui faire. Il y a quoi à manger? Vas-y, je vais te prendre ça. Hein. Mais non, pas du quinoa, Yacine, s'il te plaît. C'est du quinoa royal de Bolivie. C'est bien, non? Arrête, mais comment tu vas le faire chauffer? À la casserole, viens, tu vas rigoler. Putain, le bourbier. Ah, ça, vous, je vais vous parler, vous. Faut que je vous parle, là. Mais comment on va faire? Alors, système D, tu connais le système D? Oh là là, j'étais bien chez papa et maman, vraiment. J'ai vraiment faim, là. Qu'est-ce qu'il fait? Tac. Il branche une casserole. Tac. C'est une casserole qui n'a pas besoin de plaque pour chauffer, c'est juste une prise. Mets ça dedans. Oh là là, Théma, je vais manger quoi? Et tac. Et t'as vu, t'as dit qu'il y a un truc de feu? On a ça. On va laisser. On est en prison, en fait. On va laisser cuire et c'est ça le parent, papa et maman, c'est la psychiatrie. Hein. Ceux qui disent ouais. Ah, la bite, ils prennent un appartement. Non, ça ira. Vraiment, ça ira. C'est la psychiatrie. Regardez, je vais manger quoi? C'est la psychiatrie. Des ongles de doigts de pied. Regardez les ongles de doigts de pied. Ça a l'air gluant. Je vais vraiment grailler ça, là? Non, je vais commander, Yacine. Excuse-moi. Hein. Mais essaye, au moins, se trouve, c'est grave bon.
Demander un burger, hein, excusez-moi, ce sera plutôt un burger. Hein, non, arrête, arrête, je vais payer 50 euros, frère, arrête. Tous ceux qui disent, je voulais vous parler, là, qui parlent pour rien, là. Younes, et quand tu te maries, Younes, prenez un appartement. Eh, hey, mêle-toi de tes affaires et mêle-toi de tes oignons. Regarde, ça nous mène où, maintenant? Goûte juste, goûte une cuillère pour voir si c'est cuit. Bismillah, dis bismillah. T'es moi, tu me fais manger quoi, bismillah? C'est cuit? Oh, le flop. Oh la dinguerie, je vais vraiment manger ça. On va faire comment les prochains jours? Je vais pas manger ça tous les jours. C'est sûr, Myriam doit rigoler de ouf devant la vidéo là. Oh la dinguerie, mais c'est de la moquette. Non, ça, est-ce que juste c'est cuit ou pas, même si c'est pas bon? Si, c'est cuit, mais c'est de la moquette. Ah ouais, là, ça a cuit. Du coup, la casserole au moins, ça, c'est un bon système des. Nettoie bien tout, hein. Lave tout bien là. Regardez comment il me hagasse. Bah, c'est lui qui mange, c'est moi qui l'a. Bah, c'est toi le plus petit, il lave bien tout. Oh. Minuit, on rentre vraiment pas, genre on dort là vraiment, vraiment. Ouais, vraiment, et en plus j'ai grave l'aide avec une couverture. Arrête. Je te promets avec une couverture. Oh là là, Yassine, on va faire comment? Hey, tu fais pas pipi au lit, non? Non, mais tu m'en laisses un bout. Hein. Bah, avec une couverture, il y en a qui va dormir sans couverture. Faire quoi, ciseaux? Ah non, s'il te plaît. Non, on va faire ça, on va faire chacun notre tour, Yassine, vraiment avec une couette. Ouais, je vais éteindre là, je vais mettre en mode relax ici, là, je crois. Tu peux mettre en mode relax. Mode relax. On clique là. Laisse les lumières de là-bas allumées. Lesquelles? Laisse-toi allumer. Mais on peut pas dormir après. Si, je vais éteindre là, regarde. Moi, je peux pas dormir avec la lumière. Attends. Pourquoi t'allumes tout? Voilà, comme ça. Mais c'est la même chose. Ah, c'est bon, là. Y a que là-bas, là. Ouais, voilà, c'est parfait. Imagine, la nuit, tu te lèves et tu vois un mec manger, là. Vas-y, à demain, Charles, allez, hey, je sais pas ce qu'il fait avec les lumières, lui, mais éteins. Ah, mais comment on fait pour allumer que là-bas et ici, éteint? Je sais pas.